la minigame de Chaland. Donc encore, on est le combien? On est également, je présente Seb, pardon, excusez-moi. Un de mes clients fidèles qui vient de temps en temps pour des cartes Yu-Gi-Oh! Des jeux, surtout Yu-Gi-Oh! Tout ce qui concerne Yu-Gi-Oh! Donc là, on va ouvrir un petit colis ensemble, mon ami. Donc on est le 30 juillet. Donc on a reçu, hop, un colis in the box. Allez, c'est parti. Comme promis, faire découvrir toutes les nouveautés pour soi. En temps réel. Bon, encore des purs. Tu veux pas les garder, tu penses? Ça t'intéresse pas. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a reçu ce matin? Alors, on a reçu... Bon, le colis n'est pas super loin. Mais bon, t'es d'accord avec moi. Alors, on a reçu du MX Légende. Donc, sur PlayStation 4. Bien sûr, une version PlayStation 5. On a reçu le F1 2022. Alors, attention, le F1 2022, il sort normalement demain 1er juillet. Donc, il sera accessible au magasin qu'à partir du demain 1er juillet, pardon. Hop, donc, soit trois versions. Hop, encore du MX Légende, vous voyez. On a reçu du Naruto Storm Trilogy, que j'ai commandé il y a un petit bout de temps, et apparemment c'est une commande client sur pas. Un nouveau lapin crétin, Party of Legend, un jeu un peu délirant mais vraiment terrible. Et on a reçu encore du F1, mais cette fois-ci du F1 sur PlayStation 4. Après des petits goodies, hop, des petits cadeaux, des petits goodies, des petits porte-clés, vous voyez. Donc ça c'est pour, je sais pas, c'est une occasion, ce sera des cadeaux clients. Donc je sais pas comment on va faire, soit on va les filer aux clients, hein, pour tous ceux qui vont acheter, je sais pas, du F1 ou du Pokémon, parce qu'il y a un Pokémon qui arrive normalement, violet, écarlate, qui arrive à la fin de l'année, du 20 novembre je crois, si mes souvenirs sont bons. On offrira un petit cadeau aux 10 premiers acheteurs. Donc voilà, c'était le colis in the box du 30 juin 2022. Je vous dis à très bientôt, à bientôt mon Seb. Et au revoir les caméras. Bye bye.